C'est parti pour un petit let's play sur Oli. Et... Hey, mais t'es qui, toi? Non, mais je vais faire un let's play sur vous. Quoi? Mais t'es un gros dégueulasse! Dégage d'ici! Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek sur We Happy Few. J'en ai marre de ce jeu. Franchement, j'ai même pas le plaisir de le lancer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'achever d'un coup. Là, je vais me faire une session. Si vous aimez pas m'entendre râler, bah, allez regarder tout de suite autre chose, hein, parce que là, je vais forcément râler. Je suis déjà salé en étant sucré, ce qui est quand même un beau combo. J'ai des trucs sur moi qui ne servent à rien. Alors, ils ont mis à jour, ils ont mis des options en plus, aventure, machin. Je vois pas l'intérêt, les gars, si vous avez déjà pas fait bosser le reste du jeu. Ça sert à rien d'ajouter des trucs, hein. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Donc on va aller parler au docteur Faraday. En tout cas, on va essayer d'aller parler au docteur Faraday. Bien sûr, en marchant, parce que sinon, on a le sucre qui monte. Cueille des fleurs. On est gentil avec tout le monde. On n'insulte pas les gens qu'on croise. On va essayer de pas trop les insulter, hein, vu que le personnage est spécialisé là-dedans quand même. Une porte qu'on peut ouvrir? Non, c'est pas une porte qu'on peut ouvrir. Je suis en train d'y aller à pied, si ça se trouve, c'est à l'autre bout de la map. Mais le coffre, je l'ai fait! Oh là 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 là, j'y étais il y a 2 minutes. Et le machin me disait que ça allait, que c'était fait, qu'il n'y avait plus rien à faire. Aïe 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 aïe, ce jeu, je vous jure. Tu as verrouillé ça? Oh! Ah, c'est vide, je me sais bien aussi. Bon. Le coffre. Allons voir le coffre qui est censé ne plus avoir rien à m'offrir. Je suis bloqué par des myrtilles. Ok. Ben, c'est magnifique, hein, la myrtille des blocs. Regardez-moi le monde ici. Mais allez voir hier si j'y suis. Ouais, je peux rien y faire au coffre. C'est fini le coffre. Ce jeu de bug. On va enlever les... Voilà, on va l'enlever. Donc, je dois aller... J'étais en train d'y aller zapier, ce qui n'était pas une bonne idée. Ah, mon dieu. Now, should I take the low or I take the high road? Je vais peut-être baisser le son dans mes écouteurs, histoire que vous ne l'entendiez pas en double, ce qui est toujours pénible, puisque du coup j'entends moins ce qui se passe. Mais bon, on fera avec. Sinon, vous allez avoir l'impression que je joue avec Arc en permanence. Ok. What was that? C'est rien, je ne fais que passer. Non, madame, non. Mais... C'est pas une façon de se comporter, j'ai rien fait! Don't be caught dead in those clothes. Ah, problème de vêtements. Problème de vêtements, visiblement. Normal. Le jeu est normal. Il me suit toujours? Non, il s'est arrêté là-bas, tu sais pas pourquoi. Bah, continuons, hein. Continuons. Regardez-moi ce bug là, mais regardez ça. Et ça se permet de faire un mode histoire et un mode survie. Et quand tu lis la définition du mode histoire, c'est un mode survie. Faut pas sous de la gueule du monde, les gars. Terminez votre jeu avant de faire des modes en plus. Oh là là là.
Ah non, mais je l'ai dit que j'étais salé, hein, je l'ai dit. Me dites, faites pas les mecs. Oh, il est vénère, gros choc. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Si au moins ils avaient justifié qu'ils avaient laissé un peu d'espace qu'on puisse passer entre les maisons et... Non, mais même pas, c'est juste mytho fini. Et les mecs, ils ont rajouté pseudo mode histoire. Mais encore un mode édition, ça aurait été pas mal parce que je suis sûr que les joueurs auraient... Oh non. Vous êtes sérieux? Careful. You know how there's all that joy gas in there? It's going to make you throw up. You better wear a gas mask. You know what joy does to you. C'est vrai, j'avais oublié que le jeu m'avait entubé à sec en me disant ah, t'as pas de masque, tu peux pas. Ben, on tente quand même. Et on traîne pas trop. Ça, c'est un gros risque. On va vomir partout. Simon says, step on one lit platform. Take a flying fuck at the moon. Wait. I didn't say Simon Says. There's no one here but us ravens. Mais y'a même pas de... Y'a pas... Ah. Est-ce que je peux pas prendre un truc pour arrêter de vomir tant qu'à faire? Bon, de toute façon, ça va en prendre un déjà. Ah non, j'ai pas d'anti-vomitif. Si! Non, je peux pas. J'ai déjà en train de vomir. Bon, bah tant pis. Est-ce que je peux fabriquer un truc pour arrêter de vomir? Homme de soins, t'es vomitif. Bon. Antiseptique, bravo. Bah, on va vomir, hein. On va vomir. Fantastic! You did it! Here's some joy! You can never have too much joy, can you? Happiness is a choice! Happiness is a galette. Simon says, step on two platforms. Simon says, go drown yourself in the river. Va te noyer dans la rivière. Fantastic. You can never have too much joy. Moi pendant ce temps-là, ça régule mon taux de sucre. Happiness is a choice. La joie est un choix. Ça tombe au jeu. Three lit platforms. Ha ha ha! I didn't say Simon Says! Now, Simon Says, step on three lit platforms! Back in your mask, Fanny, you wank sting! J'avoue que il est quand même lol à lire. C'est quand même drôle. Here's some joy! You can never have too much joy, can you? Happiness is a choice. Now, for the last challenge, Simon says, step on all the lit platforms. Acton and Max Snell, you bloody charlatan. Mais... Mais laisse-moi... Mais ce jeu est débile! Mon dieu, mais ce jeu ne s'arrange pas avec le temps. Non, ça on le garde. On va tenter le sandwich. Plus ça prend du poids. Et j'ai toujours soif. Eau pure. Ouais, ben on va prendre de l'eau pure! Voilà. On en est où? Fatigue, ouais, tu m'étonnes. Hey, you're the first weak dick that's ever made me long for the real Jack! Be sure to enjoy your day! Oh mon dieu. Mon dieu, que ça a été. Difficile, nul et inutile au possible. Bon. J'ai un problème au poumon.
C'est bien, j'ai une icône, je ne sais pas ce qu'elle signifie. La nourrie, blessure. Tiens, voilà une icône. Démerde-toi. Bon. Pas grave. C'est pas comme si on avait l'habitude dans ce jeu. On va peut-être voir pour se faire des petites pompes de soins quand même, parce que... On n'a jamais trop de ces petites choses. Est-ce que je peux pas aller faire le tour? Pour une fois que ça servira à quelque chose, ça. Ah oui, pas courir, sinon je sucre. Ah. Bon bah, simulateur de campagne 2019. J'ai rencontré un troll, il marchait dans la forêt. Qui cause? Si, je suis tout seul, il y a des gens qui parlent. Il y a des gens en dessous. Alors, dites-moi quand même. Regardez-moi ça, mais... Ça aurait pu prévoir, je sais pas, des rues, des un petit port, un petit ponton, un petit quai, n'importe quoi. Surtout qu'il y a quand même un paquet de portes, il y a même des enseignes, mais... Non. Il y a même une télé. Ils ont pas fini leur jeu. Ils auraient pu mettre plein de plantes médicinales ici, que c'est une utilité quelconque, mais... Mais non. Mais non, ils veulent pas. Et ta sœur aurait jamais dit ça, mais ma sœur, mais j'ai pas de sœur. Et encore une télé qui est suspendue là pour rien. Il faut que les moustiques aient envie de regarder la télé. Au moins, d'un autre côté, point de vue écologie, c'est positif pour la... Ah, je crois qu'on peut passer par là, non? Non. 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 Ils ont mis une cheminée. La pa 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 da pa pam 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 par pam pam param pam 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 pam. Encore une télé. Tout est logique. Pas de problème. Bon bah mon raccourci, je me le carre où je pense. J'aurais dû faire une sauvegarde. Bon, pas grave. Ça permet de voir un peu autre chose. Au moins dehors, on se fait pas emmerder quoi. Enfin, c'est pas emmerder, on s'emmerde tout seul, mais bon. C'est quoi, c'est la base militaire là-bas? Ça a l'air. Jolly good. Ouais. Ouais. On va faire un mode histoire et un mode survie. Où les choses seront encore plus dures que dans le jeu original. Ouais. On va faire des aventures en plus. Ouais. En plus, il va falloir que je trouve un abri. Aïe. Est-ce qu'il y a un abri dans le coin déjà détectable? Abri, oui. Pas très loin. On va pouvoir aller à l'abri. Si on trouve un moyen de rentrer dans la ville. Ce qui pourrait être Patrick. Ils ont quand même trouvé le moyen de vous coller un abri dès le début du jeu où il y a des policiers en permanence dessus. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même du troll, quoi. Je sais pas si c'est... C'est comme si dans Skyrim, à chaque fois que tu te téléportais, il y avait un dragon... Il y avait un enduin qui t'attend. Je peux passer, là? Oui! Oui, et on est... On est pas loin de l'abri, en plus. C'est cool. Juste pas falloir traîner... Pas passer trop près des gens, parce que quand tu passes trop près des gens, ils te regardent et ils t'aiment pas. Comme ça, par exemple. J'ai baissé un peu trop le son dans mon casque. Je peux regarder quand même la map dans ma poubelle. Non, dans la poubelle, on peut pas regarder la map. C'est pareil, on vous dit dans le jeu au début, parler aux gens, ça fait qu'ils vous apprécient plus. Sauf que j'ai jamais vu la moindre utilité à parler aux gens. Il n'y a absolument aucun intérêt dans ce jeu.
à parler aux gens. Voilà. L'abri. Je suis vraiment à côté en plus. Frustrant. Par ici. Non. Fouille la poubelle quand même, des fois que. J'ai pas fouillé l'autre. Comme ça, si j'ai besoin de me planquer dessus, je me ferai moins mal au. Ah bah. What? Mais. D'accord, là il n'y a pas un abri. Là il y a juste les policiers qui font un peu leur inspection. L'abri est. Oh, sérieux. Mais pourquoi? Pourquoi tu m'attaques? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Comme toute la toute une grosse partie de ce jeu d'ailleurs. Non mais je veux juste. Ouais. Non mais. Le marqueur, il apparaît où? Le marqueur, il est par là. Oui, oui, on y va, on y va, on y va, on y va. Fous-moi la paix. Mais... Mais ils ont fait exactement la même chose sur tous les trucs ou c'est... Smells like someone cleaned every surface with mortaline. Good thing I don't smoke anymore. Alors, ils ont mis, comme je le disais avant de venir, mais on aperçoit, là, que les mecs ont décidé, en toute logique, de mettre des flics à deux endroits. Pas un seul, sinon c'est pas drôle. Oh là 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 là. On doit avoir un bouton appuyé quelque part pour... J'aurais dû le dire, bon c'est pas grave. Good. A bit of privacy you're traveling won't hurt. Ouais. Bon, c'est pas là qu'il y aura la poignée. C'est pas le. Pourtant c'est. Hein, bon. Je vais devoir prendre. Non, vous êtes sérieux, je vais devoir mettre le masque à chaque fois que je vais venir ici. Vous êtes sérieux? La tasse de thé, je veux la tasse de thé. Je veux la tasse de thé. Je peux pas prendre cette tasse de thé. Ok, d'accord. Tout va bien. Tout va très bien. Au moins maintenant j'ai un masque à gaz. Je sais pas combien de temps il durera, mais au moins j'ai un masque à gaz. Je suis ton père. Je peux même dormir avec un masque à gaz, c'est magnifique. Waouh. Bon. Bon 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 bon. Amis asthmatiques, j'espère que cette vidéo ne vous fait pas trop mal. Pour ma part, j'avoue, c'est pas le pied de biche. Toi, tu te tais. 45 tours. Pied. Non, j'ai vraiment ça dans l'inventaire. Mes excuses. Ah. J'ai tellement de choses inutiles là-dedans. Bon, c'est pas grave.
Alors ça je garde, ça j'en ai plus besoin de toute façon. Elle est pétée, on s'en bat les steaks. Oh, ça me bouffe le pif. Je m'embête pour le poids, mais est-ce que c'est vraiment une nécessité avec ce personnage? Bon, on va déposer tout ce qui est potentiellement inutile. J'ai des choses trap. Ouais, je devrais essayer d'utiliser ça un peu plus souvent. On va ranger là-dedans les trucs. Hein, voilà. Voilà. On en a pas besoin. Donc il n'y a pas un bouton pour enlever le gaz. Ouais, c'est mon marqueur, oui c'est mon marqueur. Heureusement que tu es le bricoleur de la bande. Il n'y a vraiment rien pour désactiver le... Non, parce que Arthur il est arrivé devant, il a fait clic et c'était bon quoi. C'était même pas le bricoleur quoi, c'était le... Ah. Oh. Qu'est-ce que je fais, je ressors pendant le couvre-feu ou quoi? Je vais prendre ces tasses. Bon, là je... Je n'ai plus accès aux tasses de thé. Parce que fuck. Bon. Bon. Donc non, en fait, quand je suis venu ici avec Arthur, c'était un kit de réparation, mais là, il veut pas que je répare. Ah. Est-ce qu'il faut que j'ai un kit de réparation sur moi? Dans quoi il a mis le kit de réparation aussi? Ouais. Quoi ce truc? Activateur de jubilateur. D'accord. Aucune idée d'à quoi ça sert. Perceur de coffre jetable. Non, visiblement j'ai rien. J'ai pas de kit de réparation sur moi. Est-ce que je peux en fabriquer un? Kit de réparation. Non. Bon, bah voilà, ça servait à rien. Merci, à la prochaine. Mais sérieux, une petite valve, un truc, un machin fermé, quoi. Ah. Ah. Ah, j'ai peut-être parlé trop vite. Il semblait que j'avais accès déjà aux toilettes, non? Oui. Bon. On recommence. On recommence. Non mais... Ah, on recommence à monter. Allez! 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 Allez, gras du cul! Non, alors ça en est déjà été, c'était pas ça. Ah. D'accord. Donc c'est bien ce que je disais. De la merde en bâton. Non mais sérieux ! Ça juste à cause du masque. Non ?
On va attendre la journée alors. On va dormir avec un masque à gaz, tout va très bien. Madame la marquise. Oh, time to hit the scratcher. Ah bah oui, ah bah le sucre. Là, le sucre. Ah, le sucre il pique. Puis bien sûr, le sucre n'est toujours pas dans les choses de soins, donc c'est pas. Voilà. On en met une deuxième, juste histoire de voir ce que ça fait l'overdose. Accro au sucre. Je vois pas trop ce que ça change, mais bon, c'est pas grave. On verra. Non, faites comme si j'étais pas là. Vous avez raison. Je suis pas là. Regardez-moi ce clipping à distance. Quoi. Non, mais non, mais non, mais va te faire voir! Ah oui, j'ai toujours le masque, moi, en fait. Ah! Ah, la sortie discrète, tiens. Bon, c'est bon. Tu me lâches? Allez, casse-toi. Merci. J'enlève ce truc parce que ça commence à me mettre mal. Bon. Parce que maintenant, je peux regarder sur ma carte où je suis censé aller. Pour être bien. Ici. Oui, le point de quête est toujours un peu merdique, donc je préfère en mettre un autre, histoire de faire tout de suite la différence. Noterez quand même que j'attire moins l'attention dans la robe de maid que dans mes habits de base. C'est quand même... Enfin bon, normalement je devrais pas attirer l'attention, hein, vive la joy, mais ça c'est un détail. C'est un détail de l'histoire. Est-ce que je vais réussir à aller voir le docteur Faraday du premier coup? Je pense que ça va être compliqué. Oh, par contre, j'ai la santé qui est descendue un petit peu beaucoup quand même. Donc remontons un peu tout ça. Non, pas le baume médicamenteux, juste le baume de soin. Une dose, deux doses, ça devrait faire. Dans les points de compétence, j'en ai des... Ok, mes points de compétence, je sais même plus où c'est. Là. J'en ai combien disponibles? 0. C'est un bon chiffre. Ça a le mérite d'être clair. J'espère qu'il n'y a pas encore 50 gardes dans tous les sens. Non. Apparemment, c'est calme, c'est tranquille. Évidemment, il y a un garde devant. Pourquoi je l'ai dit? Where do you think you're going? There's no visitors for the two recreants in there. Mr. Maxwell and Mr. Bacon are under house arrest. Kindly evaporate! Oi! Get out of there! Give up! And I won't smash your face. Okay. J'ai autre chose à foutre. Sérieusement. Fouiller le pot de fleurs. Voir ce que ça donne. What the fuck?